Noureddine Smaïl, vous avez terminé 3e dans le 3000 steeple, 2e série. Racontez-nous un peu comment ça s'est déroulé pour vous. Bah écoutez, c'est fait une course tactique. C'était assez difficile à gérer. On a vu un peu la première série, en combien ça s'était gagné. Ça a couru. Après, dans ma série, bah, ça s'est joué tactique. Le but, c'était de finir dans les 3 premiers. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je me suis accroché. J'ai failli tomber au moins 2 fois. Moi, j'étais un manque peut-être de fatigue, un peu fatigué, mais en tout cas, voilà, j'ai rien lâché, je me suis battu et voilà, j'ai fait 3e, je suis content. Pour une course qui démarre à 10h, à quelle heure on se lève le matin pour être prêt? Généralement, vu que je m'entraîne aux États-Unis, je m'entraîne au Colorado, donc on se lève quand même assez tôt, on se lève à 6h30, l'entraînement pour 7h, 7h30, donc j'ai l'habitude de courir le matin. Là, ce fut difficile. Il fait lourd quand même, donc il fallait gérer ça, les sensations aussi, pas y prêter attention, donc c'est satisfaisant ça. De faire le premier série avec le champion du monde en titre, Ezekiel Comboy en course, ça aide à prendre ses marques, à le voir comment il est, sa forme. Ben, c'est sûr, c'est des grosses têtes, comme je dis, ils sont en haut de l'affiche, c'est des champions. Après, moi, j'ai pas de complexe d'infériorité vis-à-vis d'eux. Pour moi, c'est des coureurs comme moi. Donc maintenant, je suis en finale et je vais tout donner pour essayer de les battre, tout simplement. Merci, Noureddine. De rien.